Cette fille très bien, j'ai jamais dit que c'est un Papa, vous êtes avec moi? Très bien. Donc, on continue le cours. Donc, ça, c'est les trois types donc, de l'activation du nocicepteur. Donc, si, attention, l'information, donc, une fois les potentiels donc, vont être véhiculés par la voie dite antérolatérale. Donc, la voie antérolatérale. Donc, pourquoi la voie antérolatérale? C'est tout simplement, cette voie est localisée au niveau antérieur et latéral. Donc, vous voyez ici en bleu, ça c'est le thalamique latéral, donc, et le spinothalamique antérieur. Donc, antérieur et latéral. Vous voyez ici, donc, antérieur et latéral. Et on parle de la voie antérolatérale, tout simplement par rapport à sa position dans la moelle épinière. Attention pour, je reviens ici, donc pour le système antérolatéral, est un peu différent par rapport au système coordonnal postérieur, parce que tout simplement les neurones N1, donc, vont faire connexion avec les neurones N2 au niveau de la moelle épinière. Donc, dès l'entrée du même côté, homolatéralement, vont faire connexion avec les neurones N2 à ce niveau. Et attention, les neurones N2, donc, vont croiser la ligne médiane au niveau de la moelle épinière, puis montent directement jusqu'au thalamus. Donc, c'est différent du système coordonnal postérieur. Vous êtes en train de suivre? Donc, à la différence du système coordonnal postérieur, donc, on a dit que pour le coordonnal postérieur, les neurones N1 montent directement jusqu'au tronc cérébral, puis se connectent avec les neurones N2, qui croisent la ligne médiane, puis thalamus, puis le cortex sommaire. Attention, pour le système, c'est un peu différent. Les premiers neurones vont faire connexion avec les deuxièmes neurones au niveau de la moelle épinière. Les neurones du deuxième ordre donc, croisent la ligne médiane, montent jusqu'au thalamus, puis rejoint le cortex. Donc, là, antérolatéral. Il y a une autre particularité du système antérolatéral, très importante en clinique. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a la notion de convergence. Imaginez qu'il y a ce qu'on appelle, il y a des récepteurs qui captent l'information de la peau. L'information, bien sûr, douloureuse de la peau. Donc, ils se connectent avec le même deuxième neurone qui reçoit les informations douloureuses du cœur, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la notion de convergence qui est à l'origine des douleurs référées. C'est-à-dire, par exemple, les douleurs de type cardiaque se manifestent par des douleurs au niveau, par exemple, de. Du membre supérieur, du côté gauche. Donc ça, c'est très important en clinique. C'est la même chose. Au niveau de, des reins, par exemple, si au niveau lombaire, qui descend ici vers l'interne de la cuisse, etc. Donc, ça, c'est très important en clinique pour localiser la sémiologie médicale, c'est-à-dire localiser la douleur et l'organe responsable. Ça, c'est très important.
Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Vous êtes en train de suivre? Très bien. Donc, attention, pour le système antérolatéral, en fin de compte, il y a deux systèmes. Donc, il y a deux systèmes. Il y a un système dit rapide, c'est la voie spinothalamique, ou dit new spinothalamique. Ça va? Vous êtes en train de suivre? Vous êtes en train de suivre? Donc, la dernière partie. Donc, c'est très simple. Donc, je reprends. Vous avez chaque dermatome, et on parle, on a dit l'organisme, l'ensemble du corps, donc, est divisé en dermatome, c'est-à-dire des régions de la peau qui sont innervées par la même racine. Donc, plusieurs dermatomes, donc, de la peau, donc, véhiculent les informations douloureuses vers un deuxième neurone qui véhicule les informations vers les centres. Mais attention, il y a les viscères et tout ce qui est organes, donc, ont des neurones, des premiers neurones, donc, qui se connectent avec le même deuxième neurone de la peau. Tout simplement, quel que soit le type, enfin, l'origine de la douleur, est-ce que, par exemple, la douleur, c'est au niveau de la peau, au niveau du côtes, etc. Donc, ça va rejoindre le même deuxième neurone que le deuxième neurone qui provient, par exemple, du cœur. Donc, ça va donner un peu de confusion en ce qui concerne l'origine de la douleur. Est-ce que c'est cardiaque ou musculaire, ou au niveau de la peau, au niveau des tendons, etc., dans la même région. C'est ce qu'on appelle les douleurs référées. Les douleurs référées. Je reviens à votre question après. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la douleur référée. La douleur référée est très importante en clinique. Pourquoi? Parce que selon la localisation de la douleur, donc on peut déterminer l'origine de la douleur, probablement en fin de compte. Par exemple, si vous avez une douleur du membre supérieur gauche, par exemple, avec un peu la mâchoire et tout ce qui donc c'est probablement d'origine cardiaque, probablement. Donc on explore tout ce qui est cœur, etc., pour éliminer une origine cardiaque. Et après, on revient à tout ce qui est origine dite pariétale, muscles, os, etc. Donc ça, c'est très important. Et la même chose pour les autres organes, tels que les reins, l'estomac, etc., le foie, etc. Donc ça dépend de la localisation de la douleur, donc, qui détermine l'organe responsable, probablement. Probablement responsable. En ce qui concerne la voie antérolatérale, l'information passe homolatéralement dans la moelle épinière. Non, l'information entre homolatéralement, puis les N2 vont croiser la ligne médiane et passent directement au thalamus, donc montent directement au thalamus, puis le cortex somestique. C'est-à-dire, la stimulation, quelle que soit. Soit le coordonnal postérieur ou l'antérolatéral, donc l'information passe toujours vers l'autre côté. C'est-à-dire, si vous avez une stimulation du côté gauche, le cortex somesthésique qui reçoit l'information, c'est le côté droit, le cortex somesthésique droit. Et l'inverse, les stimulations
du côté droit, donc vont passer vers le cortex somesthésique du côté gauche. Donc, quel que soit, mais attention, en ce qui concerne la neuroanatomie fonctionnelle, il y a une petite différence. Le cordonnal postérieur, l'information des N1 monte directement au tronc cérébral, puis croise la ligne médiane et monte. Mais pour l'antérolatéral, l'information entre les N2 vont croiser la ligne médiane au niveau de la moelle épinière et monte. Et parfois, on se demande pourquoi on explique tout ça, on détaille tout ça, parce que c'est très important en clinique. Par exemple, si vous avez, par exemple, vous savez qu'au niveau de la moelle épinière, vous avez ce qu'on appelle le canal épandimère. Donc, c'est un canal épandimère, là, il y a un peu de liquide céphalo-rachidien. Dans certaines pathologies neurologiques, par exemple, donc, parfois, il y a une dilatation du canal épandimère, donc qui se dilate, elle devient très importante. Attention, vous avez le cordonnal postérieur, il n'y a pas de problème, qui entre et monte directement. Mais attention pour l'antérolatéral, donc vous avez l'information qui entre comme ça, et se connecte avec le deuxième neurone, et croise la ligne médiane, puis monte. En cas de dilatation du canal épandimère, ce qu'on appelle la syringomyélie, donc, il y aura une section donc, de ces fibres. Cliniquement, chez le malade, logiquement, se manifeste par la présence de la sensibilité du toucher, vibration, etc. Mais attention, vous aurez une perte de la sensibilité thermoalgésique, de la douleur et du chaud et froid. Donc, par exemple, si au niveau, si les fibres sont originaires de la main, donc vous aurez une toucher vibration normale, mais attention, la douleur et la sensibilité thermoalgésique sera absente. Donc ça, c'est très important. Et tout ça est expliqué par ce qu'on appelle la neuroanatomie fonctionnelle, donc du voie afférente et les différences entre le système antérolatéral et cordonnal postérieur. Je continue, vous êtes en train de suivre? Donc, pour le système antérolatéral, on a dit qu'en fin de compte, il y a deux systèmes. Un système dit neospinothalamique et un système dit paléospinothalamique ou paléospinothalamo-réticulaire. Donc, il y a une petite différence entre les deux faisceaux. Vous avez la voie spinio-spinothalamique. Cette voie est dite rapide. Et on parle de new. Tout ce qui est new, c'est nouveau en ce qui concerne le développement phylogénique. C'est-à-dire, cette voie, on trouve cette voie uniquement au niveau des espèces développées, telles que l'être humain, les singes, etc. Donc, cette voie véhicule les informations rapides et précises. Logiquement, se connecte avec les mécanonocicepteurs. Donc, les mécanonocicepteurs se connectent avec le faisceau new spinothalamique. Donc, qui est une voie rapide et donne une sensation brève et précise en termes de localisation. Donc, new. Donc, et on trouve cette voie surtout chez les espèces qui sont développées sur le plan phylogénique, telles que l'être humain, etc. Et si je vous pose la question, pourquoi cette voie est spécifique à l'être humain et les espèces développées? Donc, je réponds, c'est parce que tout simplement, l'être humain et tout ce qui est espèce développée peuvent faire des réactions pour éliminer, par exemple, cette sensation désagréable. Par exemple, s'il y a quelque chose qui vous pique, vous aurez des réactions pour éliminer le danger, pour éliminer la source de la piqûre, etc. Donc, vous pouvez le faire. Par exemple, pour un crocodile, par exemple, on ne trouve pas cette voie, donc, parce que tout simplement, les épines ne peuvent rien faire.
Donc, pour éliminer les auxiliaires, par exemple, vision, donc, on ne peut rien faire. Donc, tout simplement, cette voix n'a pas de sens. Par contre, il y a l'autre voix, c'est la voix Qualius Pitch réticulaire, qui est une voix ancienne qui se trouve sur, au niveau de l'ensemble des espèces, même les moins développées. Cette voix véhicule des informations. Alors, anonyme, Ben Yilles, d'après Ryan, Jihang Wesmiya, Hadi, iPhone de Sabre, Ryan 20, Galaxy G5 2016, Sewar Barakat, Inès au docteur Ayev, éteignez vos micros s'il vous plaît. Donc, je reprends. Pour le système anti-roue latéral, il y a deux faisceaux. Donc, c'est comme l'autoroute. Donc, il y a plusieurs voies. Donc, c'est le même système, mais il y a deux faisceaux. Donc, le faisceau myospinothalamique, donc, c'est important. Il utilise des informations qui concernent les douleurs rapides et avec précision. New, c'est nouveau. C'est-à-dire, se trouve uniquement une espèce développée sur le plan phylogénique, telle que l'être humain, le singe et certaines espèces, le chimpanzé. Et la voie spinoréticulaire, ou spine paléospinothalamique qui passe par la substance réticulée, on va voir pourquoi. Donc, cette voie est ancienne, donc se trouve sur au niveau de l'ensemble des espèces, même les moins développées. Il véhicule une douleur moins précise en termes de localisation et durable et connecté au nociceptaire polymodo. Donc, pourquoi cette voie donne certaines fibres à la formation réticulaire? Je sais, on n'a pas fait la formation réticulaire, mais il faut savoir que parmi les rôles de la formation réticulaire, c'est les réactions d'éveil. C'est-à-dire, suite à une stimulation douloureuse, donc grâce à cette voie, si vous êtes endormi, par exemple, en plein sommeil, la nuit, si quelque chose vous pique, donc tout simplement, la formation réticulaire va vous informer, donc grâce à cette voie, donc, et vous vous levez, par exemple, pour rechercher, par exemple, la source de la piqûre, etc. Donc, ça, c'est les deux faisceaux. Donc, tout ça, donc l'ensemble de tout ça, donc système antéro-latéral latéral et cordonal postérieur, ça concerne la sensibilité du corps. Maintenant, on passe à la sensibilité de la face. En ce qui concerne la sensibilité de la face, c'est très simple. Il y a toujours les N1, les neurones N1, qui se connecte avec les deuxièmes neurones au niveau du trois étages du tronc cérébral. Donc, le bulbe brachidien, mésencéphale et pan. Donc, au niveau de ces trois étages, il y a trois noyaux. Bien sûr, c'est des noyaux spécifiques à chaque type de sensibilité. Donc, l'essentiel au niveau de ces noyaux, vous avez des neurones N2. Et ces neurones N2 donc, vont passer vers le côté contralatéral, c'est la même chose, et vont jusqu'au thalamus ventroposteromédian. Et à partir du thalamus ventroposteromédian, donc, vous aurez les neurones N3. Donc, ça, c'est pour la sensibilité de la face. Et au niveau de la face, il y a un seul nerf donc, qui innerve l'ensemble de la face, c'est ce qu'on appelle le nerf trigémeaux, donc avec ses trois branches, donc ophtalmique, mandibulaire supérieure et inférieure. Donc maintenant, l'information est au niveau du thalamus, puis passe vers le cortex somesthésique, quelque chose. Donc je répète la sensibilité de la face, c'est très simple. Vous avez le nerf trigémeaux qui innerve l'ensemble de la face par ses trois branches. Donc, les neurones N1 du nerf trigémeau vont rejoindre trois noyaux au niveau des trois étages du tronc cérébral. Donc, un noyau au niveau du bulbe brachidien, un noyau au niveau du
du tronc et un noyau au niveau du mésencéphale. Donc les trois étages. Donc à ce niveau, donc il y a les neurones 1, 2 qui véhiculent, qui passent vers l'autre côté, donc contralatéralement, et montent jusqu'au thalamus ventro-postérieur médian. Et à ce niveau, il y a les neurones 1, 3 qui passent vers le cortex somesthésique, donc qui correspond à la face. Donc ça, c'est pour la sensibilité de la face. Donc l'information est au niveau du cortex somesthésique. On va définir c'est quoi le cortex somesthésique. Premièrement, la localisation. Le cortex somesthésique est localisé au niveau du lobe pariétal. Et classiquement, on divise le cortex somesthésique en trois régions. Donc, vous avez le S1, c'est ce qu'on appelle le cortex somesthésique primaire. Vous avez le S2, c'est le cortex somesthésique secondaire. Et vous aurez le cortex pariétal postérieur. Donc, ces trois régions sont dites cortex somesthésique, c'est-à-dire c'est les régions qui reçoivent l'information somesthésique. On va commencer par le cortex somesthésique primaire qui est très important. Donc, certaines propriétés à ce cortex somesthésique. Donc, premièrement, le cortex somesthésique primaire a une organisation dite somatotopique, c'est-à-dire au niveau du cortex somesthésique, chaque région du corps est représentée par une petite surface au niveau du cortex somesthésique. Mais attention, il y a des différences. Vous voyez ici, par exemple, les mains et la face sur les organes de la fondation, les lèvres, etc., occupent une grande surface. Par contre, les membres inférieurs, par exemple, occupent une petite surface. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation somatotopique. Donc, somatotopique, c'est comme une cartographie cérébrale. C'est quoi l'organisation somatotopique? Pourquoi il y a cette organisation somatotopique? Donc, cette organisation est liée à la densité des récepteurs au niveau de chaque région du corps. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de la main, il y a beaucoup de récepteurs somesthésiques. Logiquement, il y a beaucoup de... au nombre de récepteurs dans ces régions. C'est-à-dire, au niveau de la main, il y a beaucoup de récepteurs et beaucoup de fibres afférentes qui vont rejoindre le cortex somesthésique. Logiquement, il y a beaucoup, la main occupe une grande surface au niveau du cortex somesthésique. Donc, ça, c'est l'organisation somatotopique. La même chose pour tout ce qui est pharynx, la langue, etc. Donc, tout ça occupe une grande surface. Par contre, les membres inférieurs, il y a moins de récepteurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de récepteurs. Donc, logiquement, donc, ne sont pas bien représentés au niveau du cortex somesthésique. Autre chose, pour faire attention, les membres sup et la face occupent tout ce qui est région latérale du cortex somesthésique. Mais par contre, les membres inf sont au niveau central, c'est-à-dire au milieu, c'est-à-dire inter-hémisphérique. Donc, ça, c'est très important en clinique. Vous allez voir tout ça l'an prochain. Donc, dans la kinésiologie médicale, par exemple, si vous avez une atteinte ici, donc vous allez perdre un peu de la sensibilité de la main. Une petite lésion ici, donc vous allez perdre la sensibilité de la face, donc de type central. Est-ce que l'information passe du S1? Oui, bien sûr, on va revenir après. Donc, passe du S1 vers le S2. Oui, c'est très... et vers le cortex, bien sûr. Donc, l'information, bien sûr, va rejoindre grâce
aux voies somesthésiques, le S1. Puis à partir du S1, donc, il y a des informations qui passent vers le S2 et le cortex pariétal postérieur. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le S1. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le S1 qui nous informe sur la localisation exacte de l'information. Donc, parce qu'il y a une projection point par point de chaque millimètre du corps au niveau du cortex somesthésique S1. Il y a le S2, bien sûr, qui a aussi ce qu'on appelle une organisation somatotopique qui est moins précise que le S1. Et le S1 envoie ces informations donc vers le SE. Donc, je répète, c'est quoi l'organisation somatotopique? Donc, je vais vous raconter l'histoire de l'organisation somatotopique. Donc, tout simplement, c'est grâce à une technique dite potentielle évoquée somesthésique. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout simplement, on stimule, par exemple, la main et on enregistre grâce à des microélectrodes l'activation électrique, c'est-à-dire tout ce qui est potentiel d'action au niveau du cortex somesthésique. C'est grâce à cette technique qu'on a déterminé la localisation et la surface que chaque organe, chaque région du corps occupe au niveau du cortex somesthésique. C'est-à-dire, on stimule la main, bien sûr, du côté contralatéral, la main gauche, et on enregistre au niveau du cortex somesthésique du côté droit. Donc, et on a schématisé cette organisation somatotopique. Bien sûr, au niveau du cortex somesthésique, vous n'allez pas trouver la main et la bouche, etc. C'est les représentations de chaque segment du corps. Donc, ce n'est pas dessiné au niveau du cortex somesthésique, mais lorsqu'on stimule, par exemple, le pouce, donc vous aurez une activation, ici, sous forme électrique, du pouce au niveau du cortex somesthésique. Donc, la somatotopie, c'est tout simplement les projections point par point de l'ensemble de l'organisme sur le cortex somesthésique. Donc, bien sûr, avec des surfaces différentes, donc selon le nombre de récepteurs donc, de chaque région du corps. Donc, au niveau de la main, il y a beaucoup de récepteurs, il y a une densité très importante des récepteurs. Donc, logiquement, la main occupe une grande surface au niveau du cortex somesthésique. La même chose pour la face. Et le membre, les membres inférieurs et le tronc, moins représentés parce que tout simplement, n'ont pas beaucoup de récepteurs ou la densité des récepteurs est moindre au niveau du tronc et des membres inférieurs, ainsi que les organes génitaux. Donc, ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété du cortex somesthésique, donc, c'est l'organisation en colonne fonctionnelle. Donc, l'organisation en colonne fonctionnelle. C'est quoi l'organisation en colonne fonctionnelle? Tout simplement, par exemple, pour le pouce, donc il y a 10 colonnes comme ça. Donc, 10 colonnes fonctionnelles. Donc, où chaque colonne s'occupe d'une modalité. Par exemple, pour la région ici, somatotopique qui s'occupe du pouce, il y a 10 colonnes. 6 colonnes, par exemple, une colonne responsable de la sensibilité douloureuse, une colonne responsable de la sensibilité, par exemple, le toucher, les vibrations, la proprioception, etc. Donc, chaque colonne donc, s'occupe d'une modalité. Donc, ça, c'est l'organisation en colonne fonctionnelle. Maintenant, on passe au codage de l'information. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer les diapos, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous avez... Ok, il n'y a pas de problème, je vais vous envoyer les diapos. Donc, le codage de l'information,
On a parlé de tout ça. Il y a le codage de modalité, le codage de l'intensité, la durée et la localisation. C'est la même chose que les récepteurs somatosensoriels. Donc, vous avez les codages de modalité ici selon le type de récepteur. Donc, on a dit que chaque récepteur code un type donc, d'information. Par exemple, les corpuscules de Pacini, c'est les vibrations. Les muscles et les tendons, donc, c'est les fuseaux neuromusculaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. Donc, il y a un petit problème de connexion Internet. Très bien. Donc, ça, c'est le codage de modalité. Le codage de l'intensité, c'est très simple. C'est la même chose que tout ce qui est, parce que c'est lié, c'est presque la même chose. C'est la suite, disons, du cours de les récepteurs somatosensoriels. Donc, le codage de l'intensité, c'est soit le potentiel d'action, donc c'est la fréquence de potentiel d'action. Je répète le codage de modalité. Donc, je reviens. Codage de modalité. Donc, on a dit qu'il y a quatre modalités somatiques. Donc, il y a le toucher qui concerne tout ce qui est vibration. En fin de compte, on parle de tact. Donc, tout ce qui est vibration, toucher, léger, profond, etc. Il y a la thermoception, la douleur et la proprioception. Donc, le codage de modalité dépend du type de récepteur qui code les modalités. Par exemple, les nociceptors donc, codent les modalités, codent la douleur. Donc, logiquement, s'il y a une stimulation des nociceptors, donc, il y a activation de ces récepteurs. Donc, au niveau du cortex somesthésique, l'information est véhiculée vers, par exemple, les colonnes du codage de modalité. La même chose en cas d'étirement musculaire. Donc, c'est les fuseaux neuromusculaires et probablement les organes tendineux de Golgi. Donc, logiquement, au niveau du cortex somesthésique, la traduction, donc, c'est étirement du muscle. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le codage de modalité. Le codage de l'intensité s'effectue d'une façon très simple. Donc, soit en fréquence de potentiel d'action et amplitude du potentiel récepteur. Donc, ça, c'est le codage de l'intensité. La durée, ça dépend du type du récepteur. Vous avez des récepteurs dits phasiques, donc qui s'adaptent rapidement, à d'autres qui sont toniques. Donc, ça, c'est le codage de la durée. Si vous êtes, par exemple, si vous avez une stimulation douloureuse, donc c'est des terminaisons libres qui sont des récepteurs non adaptables. Logiquement, la durée, donc la sensation donc, existe tant que la stimulation existe. En cas de récepteur qui s'adapte rapidement, donc vous avez la sensation uniquement en changement de la stimulation. Le codage de la localisation donc dépend des champs récepteurs de chaque récepteur. C'est-à-dire, vous avez chaque récepteur, par exemple, un récepteur au niveau du doigt qui se projette au niveau somatotopiquement vers au niveau du cortex somesthésique correspondant. Donc ça, c'est le codage de la localisation. Et bien sûr, vous avez le codage de la localisation. Il y a aussi ce qu'on appelle le champ récepteur. On a parlé de tout ça la dernière fois. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le système d'inhibition latéral. Donc, on a parlé de tout ça dans le cours de
Donc, je n'ai pas compris la durée. Donc, je reviens ici. La durée dépend du récepteur. Si vous avez un récepteur qui ne s'adapte pas, donc, tant qu'il y a la stimulation, il y a du potentiel d'action. Logiquement, il y a la sensation. Pour certains récepteurs qui s'adaptent, donc, s'il y a un changement de la stimulation, vous avez une sensation. S'il n'y a pas de changement, donc, vous n'avez pas de sensation. Donc, ça, c'est la durée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça, inhibition latérale. Le système d'inhibition latérale, donc, malheureusement, je ne sais pas comment schématiser. Je vois s'il y a des outils. L'essentiel. Donc, l'inhibition latérale, c'est très simple. Donc, il y a plusieurs fibres nerveuses qui vont véhiculer les informations vers le centre. Entre ces fibres nerveuses, il y a des ramifications qui se connectent avec des interneurones où chaque fibre nerveuse inhibe la fibre nerveuse de voisinage d'une telle façon que celle qui reçoit l'information la plus importante, c'est-à-dire beaucoup de potentiel d'action, va inhiber les autres fibres nerveuses de voisinage. Tout ça le long des voies afférentes, donc soit l'antérolatéral ou le cordonal postérieur jusqu'au centre, d'une telle façon que l'information se précise au fur et à mesure qu'elle monte vers le centre supérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système d'inhibition latérale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il n'y a que du bruit, donc je n'entends rien. Des questions directes? Rapidement, s'il vous plaît. La durée du codage ne dépend pas du nombre de récepteurs. C'est en fonction du type du récepteur. Est-ce que c'est un récepteur qui s'adapte ou non? Donc, oui, c'est la dernière partie. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Rapidement, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. La prochaine fois, on va essayer de faire l'audition, la physiologie de l'audition. Je ne sais pas, ils n'ont pas encore programmé les séances. Demain, c'est pas possible, c'est vendredi.